a émis une bulle comme quoi c'était interdit de tirer sur des chrétiens avec des arbalètes. Il le réservait éventuellement aux croisades, mais l'arme était tellement destructrice que c'était pas assez noble pour se tuer entre chrétiens. Bon, après, quelle est la noblesse de se tuer entre chrétiens? Je sais pas. Non. Mais en fait, c'était vraiment... Les paysans les plus riches pouvaient posséder un arc en propre. Par contre, il était interdit de posséder une arbalète. Les arbalètes, elles étaient données juste au moment de la guerre. L'intérêt, c'était justement qu'ils n'avaient pas, à apprendre. Ouais, attention, on va faire celle. On frappait, on allait pouvoir frapper comme ça. Ou, si nous, on était parés sur un tranché, qui frappait, rentrait. Vous voyez, après, il y avait plusieurs façons de frapper. Ce que je fais, du coup moi je vais arriver, par exemple. Donc, faut toujours qu'il me garde en vue. Ce qui fait que quand je vais frapper par-dessus, faut qu'il me garde en vue. Comme je suis un vicelard, je vais aller frapper en bas. Avec du gaz, ça prend plus vite, mais c'est exactement la même façon de faire. Là-dessus, on n'a rien à inventer. L'allumette et puis le piezo.